Et pour colloque ça, ça fait longtemps que nous travaillons. Il y a pile de monde qui pensait qu'au niveau de mobilisation citoyenne, il y allait bien loin et on doit reculer dans le pays. Il y a une conscience citoyenne qui traversait la population, nous capables de dire. Et parfois, on voit des endroits, côté que les gens qui ont pu utiliser cette boîte-là, côté que ils ont banni ça. Ils ont acheté l'autre vaisselle pour être capable de servir les gens. Nous, c'est une belle initiative qui prend. Mais ce qui est important, c'est que, je dis, dans le colloque-là, nous devons faire place dans l'atelier pour les gens témoigner, pour montrer comment ils ont changé la pratique sociale en dans l'institution. C'est peut-être ça, l'université qui est intéressée, journalistes qui travaillent sur les problématiques environnementales, nous avons des éléments pour nous capables de joindre des arguments pour nous construire papier que nous avons fait, reportage que nous avons fait, qui est très important. Et aspect scientifique dans le colloque-là, pour aller à la capable de publier, côté que nous permet tout le monde d'avoir accès avec à colloque-là. Nous comptons sur nous pour compréhension, chacun de nous, et pour que chaque monde qui l'a, pas connaît que après colloque-là, c'est fini. Son l'autre étape dans le plaidoyer que nous avons traversé. Qui est appliqué, Haïti pas pour continuer encore dans la question ça. Au niveau régional, yo prend plaidoyer ça parce que plaidoyer ça concerne toute région et puis d'autres acteurs qui dans d'autres continents rentrent dans la dynamique parce que yo apprécié, yo remet, yo voit qui résultat qui commence à bail nos changements organisation haïtienne et organisation internationale qui a intervenu. En deux ministères, il y a tout, il y a pile moun qui inscrit tout pour participer dans le colloque parce que tu as amené changement ça a tout porté en deux ministères. Depuis 5 ans, il y a été préparé en 2023 à gagner un colloque régional parce que si on forme pas seulement en Haïti, c'est dans toute région la faire ravage. Mais ce n'est pas seulement une problématique régionale. Il regroupe tout dans l'autre continent, tout problématique ça. Il y a pile chercheurs qui travaillent sur lui, il y a pile institutions qui travaillent sur eux. Et 2023, tu es programmé pour nous faire colloque ça. Nous pensons que ce colloque-là, il t'a prêté dans le niveau régional. Je voulais vous dire que ce colloque-là prend une autre dimension. Il n'est pas arrêté au niveau régional. Nous avons des acteurs qui en Europe qui entrent là-dedans, acteurs tout dans la région Caraïbes blanc qui entrent dans le colloque-là, qui construisent des marches colloque-là. Et ensuite, il y a des acteurs tout, dans l'Amérique du Nord tout, qui entrent là-dedans. Et possibilité de colloque ça parce que son colloque a fait en hybride, c'est-à-dire présentiel et online, et en ligne. Et nous gagnons des acteurs qui inscrits pour participer dans le colloque là, qui retrouvent juste le continent Afrique là. C'est juste pour me dire que, qui dimension colloque ça a, que nous pensons qu'il a prêté uniquement au niveau région et traverser d'autres endroits et que d'autres qui mobilise. Il y a plusieurs actions déjà nous fait. Il y a plusieurs actions graves fait déjà. Mouvement et citoyen, national citoyen pour le climat fait déjà par rapport à la question de styrofoam. Non? Il y a plusieurs questions nous répondre public là parce que quand le monde a posé question, ah si c'est styrofoam, si pas de styrofoam, quel autre bagage qui gagne, pas quel bagage qui fait déjà. Mais nous te dit qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin premièrement parce que l'État lui-même qui prend décision pour interdire pas faire rien pour être. Nous dit qu'il faut aller plus loin parce que la société a, malgré le senti que bah, la gueule n'a pas bon goût, il était dans un petit bordel, petit boîte manger ça parce que le bordel puis il était là-dedans tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour la santé et pour bah, ça tuer, ça aucun problème. Nous te dit tout en même temps que faut que aller plus loin parce que c'est une question de droit. C'est droit santé que nous gagnons qui pas respecté. Ces droits et environnement, bon environnement que nous gagnons qui ne sont pas respectés. Ces droits nous-mêmes, comme nous, droit à la vie que nous gagnons qui ne sont pas respectés. Alors nous disons qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça que nous songeons, et l'année passée, nous songeons dans le mois de juillet, GAF, ensemble avec le mouvement Alternativa, nous avons déposé plainte. Ça veut dire que nous tout, faut aller plus loin, même auprès de la justice, la question ça. Mais nous n'avons pas qu'à faire comme ça. Ce n'est pas voie et montée, n'a fait. GAF pas fait voie et montée. Alternativa pas fait voie et montée. Toute action que nous faisons, nous faisons pour gagner un résultat. Et le résultat, c'est arriver vraiment que nous bannissons la question ça, que la loi appliquée. Alors c'est pour ça, colloque ça. Colloque ça, les gros objectifs, la donne, les gros objectifs pour que nous arrivions à joindre un argument scientifique qui pour permettre que nous voyons que vraiment ça n'est pas bon pour nous. Nous n'avons pas besoin de rester sur aucun bordel parce que l'homme mourit ou pas bordel encore.
Alors, nous, il est important que nous voyons pour qui raison vraiment ça pas servi. Et dans ce sens, ce n'est pas nous qui avons fait un débat scientifique, qui avons dit que le graphe, même pas habitué de dire, nous invitons un pilote dans la région, dans les Caraïbes, là, en Europe, les gens qui sont en Amérique du Nord, les gens qui sont en Amérique centrale, qui ont vu tout, qui ont dit quelle expérience ils ont gagné avec le même bagage styrofoam ça. Qui ça a fait tout. Qui ça l'État pour la caille fait, qui c'est institution yo fait, il y a un côté qui bannit ba ça totalement, il n'y a pas voulu du tout. Alors nous même tout, nous venons ensemble avec moun sa yo, n'a pas partager qui expérience nous fait bon ici. Expérience journée que nous gagnons, nous décréter journée et journée et 10 juillet, nous décréter comme journée et bannissement et, ou bien lutte contre styrofoam, ça nous voulons que son bagage que toute société a ramassé, que l'État a ramassé. Alors c'est pour ça justement nous avons un débat ça que nous pouvons faire. Son débat, c'est débat scientifique que nous pouvons faire. En même temps, son espace d'information, son espace de formation à public là. C'est pour ça que nous avons invité la presse encore, tout public là, pour être capable de participer. Nous avons participé en ligne, tout. Nous avons participé présentiel. Le monde qui est inscrit, nous avons pile côté, vous voyez, sur page Facebook. Et donc toute question ça, ça veut dire pour nous inscrire, pour nous participer, pour nous comprendre bien la question. Tichesse Martin, 4 points, 4 points, 4 points.